Bienvenue à Million pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Mignon, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est également disponible en description de cette vidéo si vous voulez la regarder après votre tirage d'avril. N'hésitez pas les amis. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril, c'est celle de la femme réfléchie. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Mais ça me fait plutôt aussi penser à un livre en particulier qui pourrait également vous aider dans une forme de guérison ici. Et de guérison... peut-être pour reprendre une forme d'indépendance, peut-être au niveau affectif, c'est fort possible les amis. C'est un message que je reçois à l'instant pour certains. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller les amis. En carte d'énergie, pardonnez-moi, en carte de conseil, vous avez une période de guérison. Une énergie de guérison que l'on retrouve d'ailleurs dans la carte de l'étoile ici, les amis, et qui surplombe vraiment tout votre présent. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel cette guérison. Elle vient conditionner absolument tout ce qui va se passer après. On vous parle en tout cas d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape dans votre vie, que ce soit sur le plan amoureux ou professionnel. On vous dit ici que le passé est au passé et qu'un avenir brillant, et vous avez vraiment, les amis, un tirage absolument magnifique. Alors, il commence évidemment un peu compliqué ici, mais alors, à partir de là, c'est absolument magnifique, les amis, et c'est vraiment cette énergie de guérison qui va déclencher tout le reste, voyez. Donc, il y a vraiment cette notion que peut-être un livre, une femme, une amie peut vous aider à enclencher un processus de guérison, de libération intérieure qui va vous aider à manifester des choses absolument magnifiques, les amis. Écoutez, je suis ravie pour vous. En tout cas, on voit vraiment l'idée de quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Mais dans la carte de conseil, on vous invite vraiment, très important, à laisser le passé au passé, à déposer tous vos fardeaux, ici les fardeaux émotionnels notamment, les amis, vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes, à prendre le temps de la guérison avant de sauter à pieds joints dans cette nouvelle aventure ou dans cette nouvelle étape de votre relation ici, c'est possible, ou de votre vie en général, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la lune ici. Elle nous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et du passé. Et avec cet alignement ici de la 10 de bâton et de la 9 de bâton, je ressens vraiment que pour certains, vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, que vous n'allez jamais réussir à vous en sortir dans une situation en particulier. Vous pourriez être dans l'incertitude, le manque de perspective, de vision pour l'avenir, tandis que, avec la 10 de bâton, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que vous y êtes presque, ce sont les derniers mètres, ce sont les dernières épreuves, les dernières formalités peut-être, le dernier confinement, et on l'espère tous, les amis, on l'espère tous que ce soit le dernier, parce que vraiment, il y en a ras-le-bol, hein, on est d'accord, hein, on vous dira en commentaire si vous êtes d'accord, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on en a marre, en fait. Et on voit bien qu'ici, vous en avez ras-le-bol, les amis. Ouais, vraiment, on ressent la lassitude, la fatigue, l'épuisement, le sentiment d'oppression également. Hein, et c'est tout à fait compréhensible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. On manque de visibilité. On vous parle aussi, ici, de l'existence potentiel de conflits relationnels majeurs qui peuvent entraver pour le moment votre bonne évolution ou créer un malaise, une forme de malaise dans votre environnement professionnel, les amis. On vous invite à faire part de vos besoins
calmement et de façon réfléchie, en prenant soin de ne jamais blesser la sensibilité de l'autre. Car oui, avec l'énergie de la lune ici, eh bien, vous pourriez être dans un tel état de fatigue et de nervosité que vous pourriez céder, évidemment, à l'agressivité, ce qui n'est pas une solution pérenne, les amis, absolument pas. Bien que on puisse comprendre que vous en ayez vraiment ras-le-bol ici d'une situation particulière et que vous êtes épuisé. Mais vraiment, c'est la communication non violente et intelligente, mesurée, qui seule pourra vous aider à atteindre votre objectif ici dans la 10 de bâton. On sent vraiment, en tout cas, les amis, cette fatigue morale qui vous assaille depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois bien sûr, le rythme effréné et particulier du quotidien qui est lourd à supporter, ne pas savoir, ne pas pouvoir vous projeter clairement dans une situation, qu'elle soit professionnelle, affective ou le contexte, les amis, ici c'est lourd à supporter. On vous invite à prendre du temps pour vous et pour vous ressourcer, hein, vous reconnecter avec la nature, prendre l'air. Alors évidemment, vous allez me dire, Aline, on est en confinement, ok, un rayon de 10 km les amis. On peut toujours prendre l'air, tout est essentiel ici à votre bien-être. Prendre l'air, vous reconnecter avec la nature, respirer tout simplement, faire du yoga peut-être évidemment. Ne vous sentez pas non plus coupable, mes amis, de penser quelquefois davantage à vous, car ici vous en avez profondément besoin, hein, profondément besoin avec cette carte de la guérison ici en conseil. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle de l'étoile, ici. Elle vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation, pardon, et de sérénité. Si vous êtes célibataire, les amis, je crois surtout que vous êtes fatigué des relations qui ne vont nulle part. Et vous avez l'impression que ça ne marchera jamais, que vous n'arriverez pas soit à surmonter le passé, ici, avec l'énergie de la lune, soit à vivre cette belle relation ici que vous souhaiteriez profondément, une connexion d'âme et de cœur, hein, dans la 2 de coupe. Ce qu'on vous dit ici, c'est que laissez le passé au passé. Il est temps de guérir de tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en l'avenir ici avec le fou. Et de sauter à pieds joints dans cet inconnu, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle étape de votre vie, en fait. On a évidemment cette énergie de guérison, donc peut-être qu'effectivement, il y a une femme, il y a un livre, quelque chose qui vous a permis de reprendre votre indépendance au niveau émotionnel, vous voyez, par rapport à une situation du passé ici, et que derrière, eh bien, vous allez pouvoir manifester cette relation que vous souhaitez vraiment et guérir évidemment en premier lieu votre relation avec vous-même, les amis. D'accord ? Ça, c'est très important. Cette relation dans la 2 de coupe, elle est peut-être juste au-delà de vos peurs. Cette relation avec vous-même, elle est peut-être juste au-delà de vos peurs. Vous voyez ? Quand vraiment vous faites ce travail de libération intérieure et que à ce moment-là, vous prenez confiance en vous et vous pouvez être dans cette énergie de spontanéité, dans cette indépendance qui vous rend irrésistible, les amis. Ce sont les gens libres qui attirent, pas ceux qui sont dans les peurs, les angoisses ou la dépendance affective, on le sait bien, d'accord ? Acceptez de sonder ici vos désirs intérieurs par une période d'introspection qui vous sera favorable, en tout cas, parce que cela vous permettra de vous reconnecter à vos émotions, voyez, à guérir votre relation avec vous-même pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre avenir, remettre de la lumière sur votre chemin, les amis. Et puis, bien sûr, prendre davantage conscience de vos blocages qui vous empêchent d'avancer, particulièrement la peur de l'inconnu. Rencontrer l'inconnu est aussi excitant qu'il nous effraie, c'est vrai. Si vous êtes en couple, je vois que vous allez remettre de l'aventure dans votre relation, de la légèreté, de la spontanéité, pour renforcer votre connexion, voire même vous engager ici, c'est possible. Un rêve avec l'étoile pourrait très bien se réaliser pour certains, hein, la possibilité de vous rapprocher de la personne que vous aimez, s'il y a une distance géographique entre vous, voire un engagement, hein, oui, c'est fort possible. Pour d'autres, ça nous parle d'un rêve qui se réalise et qui pourrait très bien être justement cette belle connexion ici, cette rencontre qui peut être
amoureuse, qui peut être aussi une rencontre amicale, où on se sent vraiment connecté avec cette personne, hein, à voir comment ça pourrait évoluer. Mais c'est vraiment ce que vous espériez depuis longtemps. Hein. Et on nous annonce ici, bien sûr, le début d'une belle histoire, en tout cas, avec quelqu'un avec qui vous vous sentirez vraiment connecté et qui vous permettra profondément de vous libérer de tout ce passé ici et de déposer vos fardeaux. Je sens que cette personne va vraiment vous aider à guérir de beaucoup de choses, les amis, grâce à son amour, grâce à sa patience, grâce à vos échanges bienveillants et respectueux. Et prenez confiance en vous, les amis. Osez sauter à pieds joints dans l'inconnu, dans cette aventure, parce que cette connexion est vraiment celle dont vous rêviez, en tout cas. Alors, pour certains, peut-être que cette personne avait peur, justement, ici, de faire ce pas dans l'inconnu avec vous, de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Peut-être que il ou elle avait encore besoin de guérir de certaines choses du passé ici, ou de déposer des fardeaux avant de pouvoir envisager quelque chose avec vous, d'accord ? Donc on manquait de clarté peut-être, parce qu'on avait des choses à déposer avant de, hein, d'accord ? C'est fort possible. Peut-être que cette personne avait besoin de temps pour lui ou pour elle, pour finaliser finalement des choses au niveau professionnel ou autre, au niveau financier, ou c'est vous qui aviez besoin de temps, les amis. Mais on voit bien que ça y est, on peut enfin avancer dans la relation, se mettre ensemble, pourquoi pas s'engager, faire quelque chose de cette connexion qui est spéciale en tout cas, les amis. Sur le plan professionnel, c'est très positif car on vous parle de belles perspectives d'évolution, de gravir les échelons, de commencer une nouvelle aventure, donc commencer un nouveau contrat de travail, c'est possible, une association d'affaires. Peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans le service, dans les métiers du bien-être, le service aux autres, et que ce mois-ci, vous allez avoir la volonté, l'audace d'aller chercher vos clients, hein, pour manifester votre rêve ici. Donc, allez-y pleinement, les amis. Ayez confiance en vous, encore une fois, hein, parce que, oui, vous êtes sur votre voie véritable, vous êtes guidé, ok, et que vous allez avoir toutes ces opportunités. Donc, osez faire ce saut à pieds joints dans l'inconnu en vous libérant du passé, peut-être des échecs du passé, peut-être que effectivement c'est pas le premier projet que vous lancez et que vous avez échoué par le passé, que vous êtes en train de finaliser ce nouveau projet, cet ultime projet, et que forcément il y a des peurs ici. Mais non, allez-y les amis, parce que ça va marcher, d'accord ? On voit que ça va marcher. On vous dit aussi libérez-vous, hein, parce que je sais pas si vous voyez, avec l'énergie du fou, on voyage le bagage léger, donc ça nous demande de nous libérer du passé. Laissez ces fardeaux derrière vous. Laissez derrière vous tout ce qui pourrait entraver votre nouvelle aventure, votre nouveau départ ici, votre nouvelle étape ici. Mais quoi que ce soit, les amis, eh bien, c'est absolument magnifique pour vous ici. Une nouvelle aventure, une nouvelle relation, ou une nouvelle étape dans votre relation, un vent nouveau souffle dans votre vie et vous allez pouvoir enfin déposer ces fardeaux ici dans la 10 de bâton, car l'univers est avec vous et vous manifestez ce mois-ci, les amis, en amour, professionnellement, amicalement également. C'est vraiment magnifique. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet de bâton ici. C'est un changement concret, c'est solide, c'est sur le plan professionnel, avec l'opportunité, avec l'alignement du magicien et du cavalier d'épée, l'opportunité d'exploiter tout votre potentiel, le lancement d'un projet, évidemment. Si vous étiez en train de finaliser un projet, eh bien, ça y est, vous vous lancez, et ça y est, on commence à montrer ce dont on est capable. Et vous allez, ce mois-ci, montrer ce dont vous êtes véritablement capable, les amis, ou dans les semaines qui vont suivre, bien sûr. Mais, quoi qu'il en soit, avec le cavalier d'épée ici, eh bien, vous êtes prêt ou prête à vous battre bec et ongles contre vents et marées pour obtenir ce que vous voulez avec ce cavalier d'épée. Qu'importe les difficultés ici, ce projet, vous allez le lancer. Ce nouveau départ, vous allez le faire, quelles que soient les difficultés ici. Vous allez faire preuve de courage, de créativité, comme si vous réalisiez enfin à million que le monde est à vous et qu'il est temps d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. Plus rien, ce mois-ci, ne pourra vous arrêter, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.